Au Sénégal, la recrudescence des meurtres n'a pas laissé indifférent le président Macky Sall. Il condamne fermement ces cas de meurtres et d'assassinats. Des meurtres qui sont pour la plupart perpétrés par des armes blanches. Ainsi, face à la situation, le chef de l'État sénégalais s'engage à réviser le code pénal. Objectif, sanctionner les auteurs de meurtres par la peine maximale, la perpétuité. La révision du code de procédure pénale devrait être engagée dans le sens d'éliminer ou de limiter la recrudescence du meurtre. C'est l'analyse des règles qui sont là. Est-ce que les règles sont efficaces? Est-ce que les règles sont efficientes pour, en fait, dissuader les personnes à commettre des meurtres? Faire de telle sorte que les peines qui sont là ou bien les mesures d'exécution des peines soient des mesures qui remplissent pleinement leur fonction dissuasive. Mais quand il s'agit de la fonction d'élimination, le problème peut se poser parce que précisément qui il faut éliminer ou qui il ne faut pas éliminer. D'octobre 2016 à novembre 2016, plus de 10 cas de crimes ont été perpétrés au Sénégal. Inconsolables, les parents des victimes invitent le gouvernement d'instaurer la peine de mort. Cependant, pour les organisations de droits de l'homme, les autorités doivent renforcer la sécurité pour pallier ces fléaux devenus à la fois récurrents et inquiétants. Face à l'appel de personnalités de plus en plus nombreuses en faveur du retour de la peine de mort, il fallait faire une proposition qui puisse calmer la situation. Et je crois que la proposition qu'il a faite, en l'occurrence la perpétuité, est pour nous acceptable. L'autre chose, c'est les moyens de la police et de la gendarmerie. Il y a manifestement un problème d'insuffisance des forces de l'ordre pour pouvoir assurer la sécurité des Sénégalais. Et là, l'État doit savoir que la sécurité, c'est une demande sociale. Le 20 novembre, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République a aussi mis en garde les meurtriers. Selon lui, quiconque tue une autre personne sera lourdement jugé avec des peines de travaux forcés. Du côté de la police, des mesures sont prises pour faire face à ces fléaux. Parmi elles, le recrutement exceptionnel de 1 800 agents de police d'ici la fin de l'année 2016.